Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier comme d'habitude et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trèfle. Alors aujourd'hui on va tester donc encore une arme de match, a priori ce sera la dernière parce que c'est pas forcément des armes pour lesquelles j'ai énormément d'amour non plus, mais celui-ci on me le vend depuis longtemps et on m'en parle etc. C'est le Unic DES 69, c'est un modèle dont j'ignorais totalement l'existence. C'est assez drôle parce qu'il est très engoncé dans sa poignée anatomique avec, vous voyez, le chargeur ici, le magazine catch là, etc. Il a une grosse queue de détente qui m'a l'air très très bonne avec un énorme contrepoids. Je sais pas ce que ça peut donner, mais voilà. Alors vous m'en voudrez pas, mais il y a manifestement un compétiteur qui a bloqué son chargeur à 5 coups. Et j'ignore absolument comment il a fait, mais j'arrive pas à le défaire, donc écoutez, je rechargerai, c'est pas la mort. Allez, on va tester ça, alors. Ah oui. Ouais, le chargement est un peu zarbi, mais pourquoi pas. La poignée me serre un peu le kiki, je vais essayer visuel bas. Très lourd, putain, ça pioche, c'est une horreur ce contrepoids là, j'ai horreur de ça. Oui, non mais ok, pourquoi pas. Oui. Je suis pas extrêmement convaincu, mais bon. Bon après, c'est vrai que c'est absolument pas mon type d'arme, hein, ça je reconnais. Je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai horreur de la compétition, j'ai horreur de l'esprit de compétition. Ce flingue, à mon avis, serait très très bon. Ce serait le mien, j'enlèverais immédiatement le contrepoids là, parce qu'il me... Ah, il me gêne énormément. Ouais, le carton est quand même pas fameux, mais théoriquement, enfin, celui du Drolof était bien meilleur. Mais franchement, ouais, ça me perturbe, ça me fait gigoter en latéral, c'est pas une bonne idée. La queue de détente est bonne, mais je m'attendais sincèrement à mieux. En dehors de ça, bon, ça m'a l'air d'être un bon flingue, hein. Les munitions sont pas forcément adaptées, je vous le redis, je tire de la Remington Golden Bullet, qui est une munition de merde. Faut dire ce qui est. Là, comme ça, moi, je lui donne un 10. Parce que c'est pas une arme qui me convient. Mais j'entends qu'il soit bon. Qu'elle soit bonne, cette arme. J'entends. Ouais. Bon. Bah, écoutez, à la prochaine pour une arme un tout petit peu plus normale pour moi. Voilà. Allez, ciao.